Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 3. Et donc nous allons ne pas nous défendre. Attends, alors qu'est-ce qu'on attend? Boum! Quand dans ton cœur ça fait boum! Aïe! J'aurais essayé! F9. Alors avant qu'il n'arrive, que je fasse mon outro avec tout ça, que j'avais fait tout ça dans le précédent épisode, au purifié. Steampack, steampack, steampack. On sort le gun. Hey, mais c'est l'humaniste. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on attend? Ah, t'as vraiment fait une connerie en voulant passer là, toi. Désolé, tu ne m'avais pas vu? Moi je t'avais vu. Oh. Alors. Est-ce qu'on peut se trouver une arme sympa? Oui, parce qu'autant le faire bien hein, si on fait quelque chose, chers amis. Ah bah voilà. Je crois pas qu'on l'ait encore utilisé. Piou! Piou! Voilà, et de deux. Et en plus, il y a des super mutants dans le coin, mais c'est génial. Par contre, ils ont des armures de combat à talons. Ça pourrait être intéressant. Fusil d'assaut chinois, je prends. Si je peux en réparer quelques petites choses avec, voilà, merci. Voilà. Je peux m'équiper? Si je vire ça, je suis toujours en surcharge. Apparemment, donc j'ai dû choper quelque chose d'autre. C'était des lasers pour assister. Non, pourtant j'ai trop de choses sur moi, c'est nouveau. Que je suis infirme de quelque part, non. C'était pas de là que ça vient, hein. C'est étrange. C'est étrange, sauf que je ne vais rien lâcher, hein. Oh putain. Des tirs de partout. Ah putain, faut que je lâche un truc. J'ai rien à manger, je sais pas. Bah non, les bombes sucrées, j'ai envie de les garder. Il fallait que je les garde pour quelqu'un. Bon, 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 bon. Eh ben on va lâcher des mines. Faut que j'en lâche 18. C'est pas comme si ça valait la peau du cul, hein. C'est parti. Tu vas crever. Hop. Bouffe. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ne pas gaspiller nos balles par petite rafale comme dirait l'autre, chers amis. Je prends ton armure.
Tu es Marcus Bonus, je te prends aussi. Tu permets. Hop, merci. Vêtements. Merci. Qu'est-ce qu'il avait? Un fusil laser, il me semble. Oui, c'est ça. Parfait. Bouffe! Bon, bah voilà, un combat qui commence, un épisode qui commence super bien. Fusil de chasse, ok. On va essayer de réparer le nôtre. Si on peut pas, tant pis. Je vire le fusil. Bâton clouté, ça ne m'intéresse pas. J'ai entendu un truc au loin, mais j'ai dû me tromper. C'était quoi ça? Un courant d'air. Un courant d'air qui vous dit, je vais vous buter! Sûrement. J'ai curieux de savoir si c'est marqué dans la petite fiche qui a tenté de me tuer. Même si je doute que ce soit le cas. Ah, des munitions, ça y est. Avec des balles de baseball. What? Ok, pourquoi pas. 10 missiles, c'est toujours ça de prix. On a récupéré plein de trucs stupides qui ne serviraient à rien. Aide. Voilà, ça je récupère déjà. Divers. Voilà. Ah bon, il me reste un truc que j'ai. Bon. Hop, voilà. Est-ce que je peux le réparer? Je peux. Parfait. Ok, bon, aïe. En soi, ça s'est plutôt bien passé. On va quand même aller voir le petit message. Message, tu es Marcus Bonus. Alors, appel à tous, on a un autre justicier sans peur et sans reproche à descendre. Voilà les détails. Nom, Marcus Bonus, race blanc, sexe masculin. C'est facile à récompenser de 1000 caps. Pourquoi c'est tout sa tête qu'ils veulent ce coup-ci? Bonne chasse, comment ça ce coup-ci? Qui voulait me tuer d'autre? Enfin, qui d'autre voulait me tuer plutôt? Ah, c'est parce que j'ai lancé la commande, excusez-moi. Parce que je me suis tombé le bouton, j'ai voulu appuyer sur Tab. Hop. Bah, du coup, on va rester sur Tab et on va aller retourner à Mégaton. Carte du monde. Gryditch. Ça me dit quelque chose, ça aussi. Allons-y. Mégaton. Oui. Hop. Ah, voilà que mon personnage se met à avancer tout seul. Bon. Salut. Retournons voir Mo Salut, retournons voir Moira. Et on va lui vendre quelques mines parce qu'au final on les utilise pas. Ah mince, il est pas encore l'heure. Hop, allons-y. Bonjour. Oh, je suis impatiente de savoir ce qu'a donné le répulsif. J'ai largement testé le répulsif à râteau. Oh, excellent! Des tests de terrain étendus, des rapports précis, mais quel dévouement! Que pourrais-je demander de plus à un assistant de recherche? Alors, Là, je me pose la qu'est-ce qu'a question. donné mon répulsif chimique? Aussi efficace que... Désolé, Moira, mais votre répulsif est fatal pour les rataupes. Un vrai cogneur le râteau, un vrai cogner le râteau explosif. Ça existe en balle pour les gens? C'est horrible! Vous êtes horrible! Ce truc est horrible! Tout est horrible! Oh! Après tous ces tests, j'imagine qu'on ne peut plus rien y faire. Gardez-le. Vous lui trouverez peut-être un meilleur usage, mais j'en doute. Oh, mais pour vous dédommager, il me reste des produits chimiques utilisés pour le répulsif. Vous saurez sûrement quoi en faire. Non. Trois jets, ah oui, d'accord. La dernière partie de ce chapitre traite des fangeux, Oui, excusez-moi. en savoir plus sur eux permettra aux gens de les éviter ou d'être plus malins qu'eux.
Alors, j'ai pris ce matériel d'observation afin de les étudier dans leur habitat naturel. Il faudrait que vous le cachiez dans une gousse de frais. Très bien. Je vais essayer, j'espère que la paix est bonne. Pendant que vous vous occuperez de ça, je m'arrangerai pour me procurer des Stealth Boys. Ils seront à vous quand vous aurez fini. D'accord. Et qui sait, vous apprendrez peut-être quelque chose d'utile auprès des fongeurs. Oui, genre que leur tête est leur point faible. Très bien, je vais essayer. Entrez et trouvez une de leurs grappes de frais, probablement près de l'eau. Glissez cet observateur et ne tuez aucun fangeux dans le nid. On peut même plus tuer les fangeux, bah c'est dégueulasse. Je trouve que c'est dégueulasse, monsieur. Enfin, madame. Du coup, c'est madame. Alors, ferraille, bah non, je vais la donner à l'autre trou du cul. Les 3 jets, tu te les piques. Les 3 psychos, tu te les piques. Non, les radix, non, non. Les radaway, je les donne pas. Non, 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 non. Faut pas être débile non plus. Tout ça, je garde. Qu'est-ce que t'as à m'offrir, toi? Pistolet laser, armure de cuir, casque d'armure de reconnaissance, casque de moto. Boah, t'as rien à me donner! 1, 2, 3. Soleil. Voilà. Bonne chasse. Je dois y aller. Et je suis encore plein à craquer. Putain. Qu'est-ce qu'il m'a donné qui prend tant de place? Bon, bah tant pis. Hop. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là, merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vais quand même aller faire le petit aller-retour donc chez le mec, ensuite je vais aller jusqu'à la maison pour poser les choses qui sont si lourdes, et je vais retourner un épisode, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de l'épisode si vous voulez simplement vous acheter Fallout 3 en GOTY, Fallout New Vegas, en GOTY, ou encore précommander Fallout 4 donc chez mon partenaire gamesplanet.com. Sinon vous pouvez aussi simplement aller voir d'autres jeux hein. Je vous invite à suivre mes liens hein. C'est bon, ce sera plus facile pour vous. Et pour moi ça m'aide un petit peu. Donc est-ce qu'on vient d'acheter de la ferraille? Oui, prenez toute ma ferraille. Voilà. Merci. Et donc les amis, moi je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.